Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle boîtier PC avec le tout nouveau BeQuiet DarkBase 701. Un boîtier orienté Airflow, compatible ATX, EATX, qui est livré avec un système RGB assez discret, 3 ventilateurs Silent Wings 4 en 140 mm, la possibilité de mettre la carte graphique directement à 90 degrés avec 3 slots additionnels sur le côté. On a également un boîtier qui est ultra modulaire puisqu'on pourra passer en reverse ATX si on le désire. On pourra même se servir du plateau de la carte mère en guise de table de bench avant d'assembler tout son PC à l'intérieur du boîtier. On a également un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un Reobus intégré, un système pour gérer le RGB et de l'USB type C. C'est donc ultra complet. Au niveau du tarif, on sera à 229,90€ pour ce tout nouveau modèle. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec les tech specs, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Le boîtier DarkBase 701 de BeQuiet est compatible ATX, EATX. Il mesure 565 mm de profondeur sur 249 mm de largeur, 523 mm de hauteur. Le poids est de 12,8 kg. De base, vous pourrez installer un ventirad CPU de 185 mm de hauteur, une alimentation de 250 mm de profondeur, une carte graphique de 430 mm de profondeur. On pourra mettre du 2.8360 à l'avant et du 2.8360 dans la partie haute. Au niveau du style, il n'y a pas grand chose à dire ou redire. On est sur du BeQuiet. On est sur du BeQuiet un petit peu plus modernisé, on a envie de dire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va avoir des matériaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir, comme des parties en plastique qui imitent l'aluminium et qui donnent un petit côté un petit peu plus haut de gamme à l'ensemble. Sur l'avant, on va retrouver une grande partie en métal mesh filtré avec le logo de la marque en bas. Bien sûr, le tout est démontable et on va avoir le panneau de contrôle ici, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Le panneau de contrôle, le top, le côté gauche, propose ces nouveaux plastiques imitation aluminium qui sont plutôt du plus bel effet et qui donne très très bien. On va retrouver également, vous le voyez ici, un petit liseré RGB qui permettra d'afficher de la couleur, de la lumière, de l'arc-en-ciel, du licorne sur ce boîtier qui, au demeurant, quand il est noir, est ultra sobre. Sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé avec des petites parties qui sont détachées, un petit peu comme si on avait un ensemble complet sur charnière. Donc ça, ça fait plutôt le job et c'est assez bien vu au niveau du design. Dans la partie basse, on va retrouver des pieds en plastique qui proposent une finition noire, une finition anthracite légèrement métallisée. Et ça aussi, on doit dire que c'est plutôt réussi. En passant sur la partie avant, on va pouvoir démonter cette dernière comme ceci, tout simplement. On va avoir derrière le système avec le mesh et après on va retrouver notre filtre type nylon aimanté, très facile à démonter. Derrière, on va retrouver un ventilateur de 140 mm en Silent Wings 4 PWM qui est monté sur une grille qui est amovible, maintenue avec des vis à main, qui est également compatible 3 x 120 mm 3 x 140 mm. Dans la partie basse ici, on va retrouver les systèmes de push pin pour pouvoir faire fonctionner le RGB. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant
Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau du panneau de contrôle, on va retrouver les entrées-sorties audio, un USB type C, deux USB 3.0. On va retrouver un bouton qui permettra la gestion des ventilateurs selon trois modes, le power on et un bouton pour la gestion du RGB. Sachez que le tout s'illumine en blanc. Sur le côté droit, on trouve un panneau en acier. Le bruit est sourd, tout simplement parce qu'il est isolé à l'arrière. On retrouve ensuite ici le système RGB avec le plastique qui imite l'aluminium et on a également nos pieds qui reprennent les mêmes formes que sur le côté gauche, c'est assez logique. Sur le dessus du boîtier maintenant, vous le voyez par transparence, on a ici un large mèche qui va permettre d'expulser facilement l'air chaud du boîtier. En dessous de ce mèche qui est démontable avec deux vis à main à l'arrière, on va trouver un ventilateur de 140 mm Silentwings 4 PWM qui est installé de base, qui est monté sur une grille compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On continue à l'arrière avec nos deux vis pour démonter la partie supérieure, les vis pour pouvoir démonter les différents panneaux latéraux. Ici, notre ventilateur en 140 mm, encore une fois en Silentwings 4 qui est monté sur une grille qui est également compatible 120 mm. On va trouver l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère. 7 slots d'extension classique avec des caches ajourées non soudées. 3 slots à 90 degrés avec des caches ajourées non soudées. Montage par vis à main classiquement, par des vis classiques quand on est à 90 degrés. Dans la partie basse, on va retrouver le dispositif pour monter l'alimentation, ça passera via une platine avec un pourtour en caoutchouc et à l'intérieur, on va retrouver des patins en caoutchouc, donc zéro vibration à ce niveau-là. On termine sous le 701 avec les pieds en plastique qui propose des grands pads en caoutchouc. Enfin ici, vous le voyez, on a un filtre amovible qui va protéger l'alimentation et qui protégera aussi un emplacement additionnel en 120-140 mm. On passe maintenant à l'intérieur de notre Darkbase 701 pour découvrir le châssis qui, comme on le disait tout à l'heure, est compatible ATX, EATX. Vous remarquerez tout de suite, et on le verra quand on passera de l'autre côté, que sur cette barre ici et sur la barre de l'autre côté, on a des points d'ancrage. Les points d'ancrage vont tout simplement permettre de démonter le plateau de carte mère pour pouvoir le retourner et faire du reverse ATX si on le désire. Si le plateau de carte mère se démonte, on y reviendra tout à l'heure, ça veut aussi dire que l'on pourra installer, et vous le voyez, ça monte jusque là, on pourra installer carte mère et ventirad CPU sans aucun problème à l'extérieur du boîtier pour faciliter le montage ou encore faire des pré-tests avant de monter sa config à l'intérieur du boîtier. Au niveau du plateau de la carte mère, on va avoir un large accès backplate dans la partie centrale, un grand passage dans la partie haute, doublé d'un autre énorme grand passage dans la partie haute. On a des passages dans la partie basse, c'est normal hein, puisque le plateau de la carte mère se démonte, et on a un grand passage sur le côté droit, sans cache, mais vous verrez que quand on est dans le côté, les câbles sont obligés de faire des petits mouvements à 90 degrés, ce qui fait qu'on voit assez peu de choses, vous le découvrirez dans le montage à la fin. Ici, on va voir la platine pour les SSD, les HDD. Tout ça est monté derrière des petits cacherons caoutchouc qui sont montés sur des sortes de dispositifs en caoutchouc. Et ça permet de tout dissimuler rapidement et facilement. Vous pourrez monter votre disque dur ou votre SSD à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier pour remettre le tout en place. On vient juste clipser au bon endroit. Alors, le plus dur, c'est de clipser au bon endroit quand on en a besoin pour la vidéo. On appuie, on clipse. C'est bon. Au niveau de la partie avant maintenant, on tourne un petit peu plus le boîtier. On va voir cette grande grille. Grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Compatible radiateur de water cooling en 280-360 mm. Si on a besoin de place à l'avant, c'est pas compliqué. On en retire la partie avant. Si on a besoin d'avoir un petit peu plus d'air sur la partie avant, on pourra utiliser
le dispositif qui permet de la porter de l'air avec le guide, avec les guides. Pour mettre le tout en place, c'est pas très compliqué. Hop, on appuie et on est bon. Donc c'est très rapide. Ensuite ici, on va voir le cache alimentation, grand cache alimentation qui s'ouvre comme d'habitude chez Be Quiet. Hein, ça c'est pour pouvoir faire le reverse de l'autre côté. Ça permettra d'avoir un accès à l'espace pour les potentiels cages HDD qu'on pourra ajouter en option. On a le support de montage qui est présent de base et on aura aussi accès ici à l'emplacement de l'alimentation avec ses patins qui sont intégralement en caoutchouc et qui sont bien épais. Sur l'arrière, donc sur le côté gauche, on va retrouver un ventilateur de 140 mm en Silent Wings 4 comme à l'avant. On est sur la version qui va être directement gérée derrière avec le PWM. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension classique avec un montage par vis à main. On va retrouver ensuite 3 slots à 90 degrés et comme on le disait tout à l'heure, l'emplacement de l'alimentation dans le fond. Vous noterez encore une fois la présence de deux petites vis ici et là. Si vous retirez les deux vis, vous pourrez retirer la grille pour monter vos ventilateurs ou vos radiateurs facilement. Bien sûr, tout est amovible hein, sur ce boîtier. La grille à l'avant également est démontable. Au niveau de la grille supérieure, on va être sur une compatibilité 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. On a un 140 mm Silent Wings 4 qui est présent de base. Pour le water cooling, on sera toujours sur du 280-360 mm maximum. On enchaîne derrière le plateau de la carte mère. On vous parle tout de suite des points d'ancrage. Pour démonter le plateau complet ou faire du reverse ATX comme vous le désirerez. Ensuite, sur le côté gauche, ici, on va avoir la platine qui permettra d'installer un HDD, un second HDD ou alors deux SSD. On aura le petit passage ici pour les câbles si nécessaire. Donc, c'est très bien fait. Dans la partie basse, ici, on va retrouver un emplacement additionnel en 120-140 mm. Ensuite, ici, on a le système de goulottage avec la possibilité de mettre des scratchs. Le système de goulottage, on le retrouve également dans la partie haute. Sur la partie basse, ici, vous voyez que de base, c'est déjà très bien pré-câblé. On va voir de la place dans le haut, un passage dédié ici, des dispositifs pour mettre des colliers partout et on va retrouver ici le PCB pour gérer le RGB et les ventilateurs. On pourra gérer un maximum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilateurs. Donc c'est vraiment très bien. Pour le RGB, on pourra gérer deux dispositifs. Les ventilateurs, comme on le disait, sont gérés en PWM. Le PCB s'alimente avec une prise SATA. Dans la partie basse, ici, on va retrouver des patins en caoutchouc qui sont conséquents à destination de l'alimentation. Et on vous parlait du stockage ici avec les deux emplacements, 2,5 pouces, 3,5 pouces. Sachez qu'on aura également un autre emplacement 2,5 pouces à côté du PCB. On passe à l'intérieur de notre boîtier Dark Base 701 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On a fait le choix de monter la carte graphique à 90 degrés, ce qui est simple et rapide puisqu'on va avoir des slots sur le côté. Comme vous pouvez le voir, on a très peu de choses qui dépassent du boîtier, même si on doit noter qu'on n'a pas de grand cache en fait sur la partie centrale, mais comme les câbles en fait viennent par une partie qui va beaucoup les courber, ça reste très discret, donc ça fait pas mal le job. Ensuite, on va avoir tous les caches qui vont permettre de dissimuler les différents passages, donc on a vraiment quelque chose qui est très propre. Vous le voyez, on a pas mal d'espace dans la partie haute, puisque là, même avec un ventilateur, on va pouvoir mettre du radiateur de water cooling sans aucun problème. Et c'est vraiment très propre au niveau du montage. Et comme les trois, on a trois slots à 90 degrés, on ne sera pas au ras de la porte en verre, ce qui va éviter de perdre trop au niveau des performances de refroidissement. À l'arrière du plateau de la carte mère, c'est tout aussi propre. On va avoir ici la partie où on a intégré le SSD qui est donc derrière les caches, donc on ne verra pas ce dernier. Ensuite ici on a le système dont on parlait qui permet de courber et regrouper les câbles facilement pour qu'on ait des câbles qui soient peu visible du côté carte mère et très bien organisé à l'arrière. On va retrouver ces goulottes dans la partie basse, dans la partie haute, ce qui fait qu'on pourra vraiment faire une organisation des câbles aux petits oignons comme on vous le disait.
Ensuite, bien sûr, pour le montage, si vous avez envie, vous pourrez retirer les 4 vis pour pouvoir démonter le plateau de la carte mère et ainsi installer par exemple votre carte mère et votre ventirad CPU plus facilement avant de les intégrer rapidement à l'intérieur du boîtier. On passe à notre Dark Base 701 allumé. Ainsi, on peut profiter du RGB. On va retrouver deux arches sur les côtés. Donc, c'est ultra discret. On pourra éteindre les diodes si on le désire. On a un petit bouton qui permet ici la gestion du RGB. Et comme on va avoir en fait le RGB qui va être géré par le PCB et le bouton, on pourra relier par exemple son ventilateur de ventirad CPU comme on a fait pour pouvoir profiter du RGB partout. Si vous voulez des modes plus pointus, il suffira de passer par le RGB de votre carte mère. Bon, vous le voyez, on a vraiment plein de modes disponibles. Et ça reste assez discret, ce qui est plutôt bien. Ensuite, ici, on va avoir un autre petit bouton. Quand on clique, on va avoir une lumière un peu plus intense, une lumière beaucoup, beaucoup plus intense et pas de lumière. Ça veut dire qu'on va avoir trois modes de gestion pour les ventilateurs. Un mode hyper silencieux, on est à 31,6 dB, même niveau de la pièce, même niveau que la pièce, ce qui veut dire qu'on n'entend pas les ventilateurs. En mode médium, on passe à 35,7 dB. Alors oui, c'est plus, mais ça reste ultra raisonnable puisque quand on met le mode en route, ça augmente en termes de niveau sonore, mais vraiment, c'est très supportable au quotidien. Par contre, quand on va passer au maximum, ça va envoyer les watts, hein, puisqu'on sait que ces ventilateurs sont capables d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de dB. Et on va passer à 42,3 dB, ce qui est beaucoup plus audible. Mais encore, certains pourront s'en accommoder pendant les sessions de gaming, par exemple. Alors, ce qui est intelligent, c'est qu'on est sur un boîtier Airflow, donc qui est fait pour aspirer de l'air frais. Et très souvent, sur les boîtiers Airflow, on a des ventilateurs qui envoient des tonnes et des tonnes et des tonnes de watts. Alors que comme c'est très ouvert, avec moins de flux d'air, on a quand même pas mal de frais qui va rentrer à l'intérieur du boîtier et ça permet normalement de pouvoir utiliser des ventilateurs qui sont un petit peu moins bruyants justement. Et là, c'est ce qui est bien avec les triples modes qu'on a, c'est qu'on va pouvoir avoir un boîtier qui va être très orienté silence, moyennement silencieux mais avec des bonnes performances ou alors ultra performant mais ultra bruyant. Allez, vous savez tout de ce nouveau boîtier BeQuiet Dark Base 701. Rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.